Yo les potos, on se retrouve pour une petite vidéo assez simple de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conversation entre parents et fils ou filles, hein, j'en sais rien, ou trans, voilà. Comme ça, c'est quitte. Donc, je suis en compagnie de Juju, le Quicket. Salut! Et c'est moi ou toi qui commence? Moi, je commence. Donc, la mère qui marque à son fils: coucou mon fils, je suis au travail. Je rentrerai tard sûrement, tu pourras me faire les courses avant de rentrer du lycée, merci, bisous, à ce soir. Le fils qui répond: maman, je suis rentrée plus tôt du lycée et je suis derrière toi dans le salon, je t'aime quand même. Super, c'est chaud. Alors moi, c'est une mère qui donne ses conseils en fait. Donc je pense que c'est une fille, hein, je pense. Je prends quoi comme goût de préservatif? Tu préfères quoi? Oh merde, maman, lis pas le SMS d'avance, c'était pas pour toi. Et bah bien sûr, la mère, elle répond quand même. Je te conseille fraise ou chocolat, mais fraise c'est un peu chimique, quoique ça peut donner un petit goût au sperme. Et bah la fille qui met une tête genre blasée. Ce serait pas plutôt un gars? Ah bah non, mais non, voilà. Donc 3. Maman a tout compris. Donc c'est Mother, donc on comprend directement que la fille ou le fils envoie un message à sa mère. Maman, tu peux me ramener chez une copine ce soir? Ok, mais c'est qui cette copine? Tu connais pas. Je veux la voir et sa mère aussi quand je t'amènerai. Non, c'est bon, tu me lâches devant. T'as peur que... T'as peur que je capte que ta copine a un pénis? Numéro 4, le cambriolaire. Et ouais, des fois, les parents, ils se rendent même pas compte qu'il y a les enfants qui sont là. La preuve. Chérie, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je viens d'entendre des bruits, mais je me suis réfugiée dans l'armoire. Quand tu seras sortie de l'école, va chez mamie et papy. Et pas à la maison, la police arrive dans 2 minutes. Et la fille qui répond. En effet, je viens de rentrer de la maison. J'ai fini les cours à 13h tous les mercredis depuis 2 ans. D'accord. Contente que tu t'en rappelles, la preuve que non, hein. Sinon je n'aurais pas écrit ce message là. Tu peux sortir de l'armoire. 5. Quand on oublie ses clés. C'est une fille ou un garçon qui marque à son père. J'ai oublié la clé, on fait comme d'hab. Non, je suis partie au moins. Ce coup-ci, t'as une bonne excuse pour dormir chez une copine. J'ai ni voiture ni argent, pas. Trouve-en une bonne et bien conne qui va venir te chercher, te faire à manger et t'héberger. Je sais pas si j'ai ça dans mon répertoire. Va dans tes contacts et regarde maman. Ça se fait tellement pas. Bon, c'est encore un enfant avec son père. Un coup de main. Salut papa, ça va? Oui, et toi? Oui, j'ai une question. Je suis avec une copine et je fais l'amour, je sais pas comment faire pour qu'elle aime. Et il lui a marqué, attends, j'arrive. Numéro 7. Te faire mettre par ton vieux père. Donc c'est le pas qui envoie un message à sa fille. Salut, ça t'intéresse de te faire mettre par ton vieux père? Quoi? T'as bu pas? Non, pourquoi? Relis ton message. Oh putain, merde! Te faire mettre la pâtée! C'est pas la même chose. Hein. Attention, la taille, ça compte. Encore la mère avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, ça doit être le fils. J'ai quelque chose pour toi. Le gamin, il a dû s'amuser à faire avec des smileys une bite. La mère répond pareil. Le mien est plus gros. Elle a un plus petit pour dire ça c'est ton père. Il a marqué ha 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 MDR. Elle après lui a marqué lol, ne lui dis pas que je t'ai envoyé ça. Voilà. Recueille ou bien. Maman, je peux aller dormir chez ma copine ce soir? Non. Donc NN. D'où t'es écrit comme une jeune là? Allez s'il te plaît, fais pas vache. Oh, Ziva, ta gueule. Je suis majeur, je fais ce que je veux. Ok. Winner.
On va jusqu'à 10 ou on va jusqu'à 15? Ouais, 15. Ok, 15. Donc là, c'est conseil de papa. Papa, tu as eu plein de copines dans ton temps. Comment faire pour que Magali me fasse une fellation? Elle refuse. Et tu, bah, le père, il lui répond, bah tu lui dis que ton ex le faisait. Elle le fera. Maman s'est fait passer pour papa. Ça, c'est pas bien. Papa, ouais. C'est toi? Oui, enfin, elle me laisse me reposer. Maintenant, il est temps. Et ces petits repas aux chandelles. Oui, j'ai une femme merveilleuse qui me prépare des repas merveilleux. Je suis vraiment un homme comblé. Maman, lâche le portable. C'est qu'il devait savoir que... que c'est pas un père comblé, en fait. Tout simplement. Bon, la deuxième. Le père qui félicite son enfant. En fait, t'as pas beaucoup... À chaque fois que c'est toi, y a pas beaucoup de textes. Alors, l'enfant qui dit « On m'a proposé un boulot. » Et répond, accepte-le avant qu'il ne découvre leur erreur. Maman blague. Halloween, j'ai jamais... l'enfant qui marque. Halloween, j'ai jamais fait peur et je sais qu'avec ta tête, j'aurai plein de bonbons. Petit con. La police a retrouvé un cadavre brûlé sans cervelle dans une petite bite et avec une petite bite et le cul défoncé. Rappelle-moi, je suis inquiète. Je suis bien en vie et papa, t'as eu des nouvelles? Allez, papa prévenant. Donc là, pareil, l'enfant qui écrit à son père. Papa, ce soir, je dors chez Antoine. Il lui marque, oublie pas tes capotes, ma fille. Ah non, c'est une fille. Oublie pas ta capote, ma fille. Elle a marqué « Papa, arrête !» Et il a marqué « Au pire, je t'emmène les parfumés de ta mère. » Je suis souvent de côté. Bon, le dernier, c'est pour moi. C'est dur à étendre. Ta mère et moi, on n'a jamais voulu de toi. T'es qu'une fiotte. T'es bourré, papa? Pas du tout, petit con. Pourquoi t'es vénère? Ton sale petit cul à bout, le dernier coca... ton seul petit cul a bu le dernier Coca Zéro, j'ai dû boire l'iced tea de ta mère, c'est vraiment dégueulasse. Donc vous avez compris, ne jamais boire le Coca Zéro de son père. Tant que ce que tu es. Voilà. C'est pareil avec le mien, le Coca faut pas te toucher. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo de les pires SMS entre parents et fils ou filles ou trans, comme je dis. Enfant. Vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like de... un commentaire pour te dire des idées, les pires SMS de quoi et de quoi. Et bah, vraiment, n'hésite pas à partager la vidéo ou à te dire si tu veux plus de vidéos avec Wicked ou si tu veux des vidéos sur d'autres trucs ou autre, ou tralala. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour que je puisse remarquer que vous voulez une autre vidéo. Voilà, une vidéo. Bon allez les amis, je vous dis à une prochaine fois, j'espère que la vidéo t'aura vraiment plu. Et donc du coup, bah, on se dit au revoir. Salut. Citoyens.